Près de 4 siècles après la découverte de l'Amérique et la colonisation du Nouveau Monde, la bibliothèque de l'Assemblée nationale française fit en 1826 l'acquisition d'un manuscrit indigène originaire du bassin de Mexico. Plongeant ses racines dans les mythes antiques des grandes civilisations de la Mésoamérique, ce document pictographique, peint sur du papier d'amaté et plié en paravent, mesurait 16 mètres de long et comptait 40 pages. La date de sa réalisation est estimée entre la fin du XVe et le début du XVIe siècle, soit à l'époque de la conquête espagnole du Mexique. De la sorte, le Codex Borbonicus incarne bien les tout premiers instants de la rencontre coloniale. Cette première section, qui comptait 20 planches, mais dont 2 sont manquantes, est le livre des destins que les anciens Mexicains consultaient pour réaliser leur divination. Il donne à voir un cycle calendaire et horoscopique de 20 trézaines, soit 260 positions, appelées « compte des jours ». Sur chaque page sont figurées de gauche à droite sur la ligne du bas, puis de bas en haut de la colonne de gauche, 13 signes journaliers pris sur une série de 20. Ces glyphes temporels qui se suivent et se répètent toujours dans le même ordre sont numérotés avec des points. Par exemple, on a ici sur la page 3 le signe un chevreuil, puis 2 lapins, 3 os, 4 chiens, 5 singes, 6 herbes, 7 roseaux, 8 jaguars, 9 aigles, 10 vautours, 11 mouvements, 12 silex et 13 pluies. Ensuite, sur la page 4, une nouvelle trézaine commence en 1 fleur et se poursuit avec 2 crocodiles, 3 vents, 4 maisons, 5 lézards, 6 serpents et 7 morts. Après cela, la série des 20 symboles se répète, recommence avec le signe chevreuil, cette fois numéroté en position 8, et ainsi de suite. Les nombres 13 et 20 étant premiers entre eux, il en découle qu'il faut attendre un cycle complet de 260 jours pour que le même signe soit affecté du même chiffre. Ces glyphes journaliers sont accompagnés par des figures en buste également évocatrices de présages. Ce sont les seigneurs de la nuit, dont le règne, bénéfique ou maléfique, durait du coucher au lever du soleil. Au nombre de 9, ils se succèdent toujours dans le même ordre. Sur cette page de référence, le signe un chevreuil est donc accompagné par le seigneur de la nuit dédié à la pluie. Puis viennent ceux évoquant le feu, l'obsidienne, le soleil naissant, le maïs, l'inframonde, l'eau, la maternité et la montagne. Après cela, la série des 9 seigneurs de la nuit recommence avec celui consacré à la pluie, mais associé cette fois au signe journalier 10 vautours. Dès lors, pour accompagner les 260 jours, il faut compter 29 séries de 9 seigneurs de la nuit, ce qui donne un total de 261 jours. Le reste de 1 impliquant que l'entité évoquant la pluie passait sans doute son tour au début d'un nouveau cycle en 1 crocodile. Aux seigneurs de la nuit et à leurs augures viennent encore s'adjoindre les 13 seigneurs du jour. Représentés avec des volutes de champ dans les cases jouxtant celles des jours et constamment distribués en suivant la même numérotation de 1 à 13, ces figures divines influençaient à tour de rôle la période journalière allant du lever du soleil jusqu'à midi.
Pour les heures suivantes et jusqu'au coucher du soleil, les seigneurs du jour laissaient leur place à l'oiseau précieux dont ils étaient affublés. En un chevreuil, on a donc l'émanation du feu avec son colibri bleu. Puis suivent les figures dédiées à la terre et son colibri vert. À l'eau, avec son faucon. Au soleil, avec sa caille. À la maternité et son aigle. À l'inframonde, avec une chouette. Au maïs et son papillon. À la pluie, avec son aigle. Au vent, avec un dindon. À la guerre sacrée et son grand-duc. Au sacrifice, avec son hara. À l'aurore et son quetzal. Puis à la voie lactée, accompagnée d'un perroquet. Cette séquence se reproduit à l'identique dans les treizaines suivantes. Sur la base de ces références qui permettaient entre autres de prédire la destinée des nouveau-nés, il est possible de reconstituer le contenu des deux premières pages manquantes en remontant la distribution de ces trois séries. On voit alors que le premier mois du livre des destins commençait avec le glyphe un crocodile accompagné du seigneur de la nuit dévolu au feu et de son homologue du jour avec son colibri. Finalement, à ces ensembles divinatoires déjà fort complexes, il faut encore ajouter et considérer les déités régentes de chaque treizaine qui s'affichent dans l'angle supérieur gauche des feuillets, de même qu'un certain nombre d'éléments mettant en scène les mythes et les rituels qui se trouvaient être en lien étroit avec la période figurée. Le premier mois du conte des jours était placé sous le patronage d'une figure divine incarnant la création primordiale, et le deuxième sous l'influence d'une entité dédiée au vent. Faisant suite à ces deux planches restituées, les déités régentes des mois suivants symbolisent, en trois à gauche, la montagne qui fait face à l'incarnation de la connaissance. Puis sur la page 4, on a la vieillesse. Devant elle, un joueur de tambour chante. Il évoque la médecine. La cinquième treizaine, un roseau, se trouve être sous l'influence de l'entité féminine dédiée à l'eau. En un mort, il y a la représentation divine de la lune devant celle du soleil, à droite. Puis vient en page 7 l'image céleste de la pluie. En bas, une autre représentation symbolise la nourriture. La treizaine suivante est présidée par l'incarnation féminine de l'abondance, accompagnée d'une figure masculine dédiée au champ. Ensuite, en un serpent, viennent les représentations divines de l'aurore et du feu, placées sous un orage chargé de pluie. La dixième treizaine, quant à elle, se trouve être sous l'égide d'inframonde, à droite. En face, on voit un prêtre sacrificateur. Avec un singe, le onzième mois s'ouvre sous la protection d'une figure évoquant la guérison. Puis on trouve la divinité dédiée au froid. En treizième page, on voit l'entité symbolisant la maternité en train de donner naissance à l'incarnation du maïs. En face, une évocation divine de la guerre sacrée ayant revêtu une parure d'aigle. La figure centrale de la quatorzième treizaine se rapporte au renouveau, qui porte une peau humaine écorchée et fait face à un serpent emplumé avalant un homme. Un maison donne son nom au quinzième mois placé sous l'influence d'une guerrière céleste. La seizième treizaine encadre d'eau l'image du crépuscule et des jumeaux, l'un portant un disque solaire, l'autre à droite, un silex emmanché. Le feuillet suivant convoque la représentation de la maladie sous les traits d'un dindon. Le jour un vent débute le 18e mois placé sous les effets d'une divinité évoquant le foyer, comme brasero mais aussi en tant que maison. Puis on a encore une représentation féminine de l'amour en train de chanter. Elle est coiffée d'une tête d'oiseau et porte une parure de plumes et de fleurs. Finalement, le 20e mois, un lapin met en vis-à-vis les entités dédiées au feu et à l'obsidienne comme couteau sacrificiel.
À la fin de cette 20e trézène qui se clôturait par le jour 13 fleurs, le compte des jours redémarrait à la position 1 crocodile du premier mois, toujours dans le même sens, avec les mêmes accompagnants et divinités régentes, et sans interruption d'aucune sorte. Sur un format carré d'environ 40 cm de côté, les deux feuillets qui terminent la première partie du Codex Borbonicus mettent en scène quatre figures fondamentales de la mythologie du Mexique central. En page 21, on trouve tout d'abord une personnification féminine de la nuit et une autre masculine se rapportant au jour. La femme sème le contenu d'un bol tandis que son vis-à-vis brandit d'une main un encensoir et tient de l'autre une épine de maguey servant à verser le sang. Considéré comme le couple primordial de l'humanité, créateur du livre des destins, ils sont représentés à l'intérieur d'une caverne dont l'entrée est gardée par leur bâton d'or. Une rivière s'en écoule comme pour figurer le cours du temps. En haut à droite, on reconnaît le glyphe crocodile, le premier des 20 signes du compte des jours. Sur la planche 22, deux divinités se font face dans une sorte de confrontation. La légende les place à l'origine de la création du cinquième soleil, le monde actuel. La première, à gauche, se présente sous l'incarnation du vent, avec un masque sur la bouche et brandissant un serpent qui se termine par un encensoir. L'autre entité, dédiée généralement à la guerre sacrée, porte un serpent de feu sur son dos, une coiffure semée d'étoiles ainsi qu'un disque évidé rouge et blanc. On remarque aussi que ces deux scènes sont chacune encadrées par 26 groupes d'images composés d'un nombre, d'un signe de jour et d'un seigneur de la nuit. La lecture qui part d'en bas à gauche de la planche 21 et se poursuit sur la suivante dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre commence avec le signe un lapin, puis deux roseaux, trois silex et quatre maisons. La même séquence de quatre glyphes reprend alors avec cinq lapins, six roseaux, sept silex, huit maisons, et jusqu'à 13 lapins. Ensuite, c'est la numérotation qui recommence avec le chiffre 1. L'ensemble des deux pages décrit donc des suites composées de quatre signes temporels numérotés 13 fois, soit 52 positions que l'on retrouve de manière univoque dans le compte des jours décrit précédemment. Autrement dit, et pour exemple, on voit ici que le premier glyphe temporel un lapin et son seigneur de la nuit sont semblables au premier jour de la 20e trézène du compte des jours. Puis on retrouve deux roseaux en 8e trézène, trois silex sur la 16e, et quatre maisons dans la 4e. Et ainsi de suite, en terminant à la 52e position par le glyphe 13 maisons, qui correspond avec le dernier jour du 11e mois. Une fois ces 52 positions fixées et numérotées chronologiquement, on constate qu'il y a toujours entre elles un intervalle régulier de 105 jours, y compris entre la 52e et la première date. Or, c'est exactement le chiffre qu'il faut ajouter aux 260 d'un compte des jours pour obtenir les 365 jours d'une année solaire. Avec les nombres 260 et 105, les Mésoaméricains avaient découvert deux unités immédiatement utiles à leur calcul calendaire. Elles correspondent aux jours qui s'écoulent entre deux passages du Soleil au zénith à la latitude 15 degrés nord, position géographique à laquelle se situe l'antique ville maya de Copan, au Honduras. Car du 13 août au 30 avril s'écoulent 260 jours, soit un compte des jours complet. Puis, justement, 105 jours du 30 avril au 13 août. En résumé, le double tableau des pages 21 et 22
énumère les dates auxquelles commençaient les 52 années solaires de 365 jours dans le livre des destins. On donne à ces glyphes le nom de porteurs d'années, puisque chacun d'eux caractérisait de ses augures l'année qui l'initiait. À la fin d'un cycle de 52 ans, soit à la fin de l'année 13 maisons, un nouveau compte des années recommençait en un lapin. Cette transition s'appelait la ligature des années. La deuxième partie du Codex Borbonicus diffère de la première autant d'un point de vue stylistique qu'au regard de la palette des couleurs utilisées. Elle décrit sur 14 pages les 18 fêtes qui ponctuaient l'année solaire de 365 jours. En correspondance avec les cycles naturels du soleil, de la pluie et du maïs, presque toutes les cérémonies comportaient des danses rituelles et des chants, donnaient lieu à des actes de dévotion, des simulacres de combat, et était l'occasion de sacrifices animal et humain. Sur sa partie gauche, le premier feuillet qui commémore la fête dédiée à la croissance et à la résurrection met en scène deux prêtres. Celui de gauche, avec son pectoral et son spectre, personnifie le feu. L'autre, vêtu d'un long fourreau chargé de plumes, évoque l'incarnation féminine de la fertilité. On remarque en bas deux bobines enroulant des chevrons inscrits sur un support de papier. Le moi représenté à droite de cette même page est celui de l'offrande d'épis de maïs. Vêtue d'un costume où le bleu domine, la figure portant les atours de la pluie la consacre. En face, un drapeau de papier taché de caoutchouc. Plus bas, on voit un grand vase contenant l'offrande d'épis de maïs. La case de gauche de la planche 24 évoque la cérémonie de l'écorchement des hommes. Elle se trouve être sous l'influence d'une divinité évoquant le renouveau, personnifiée à droite par un prêtre portant la peau d'un homme écorché et un bâton à son œil. En face, un participant vient lui présenter un enfant, des galettes de maïs et des semences. À côté, dans le compartiment de droite, est illustrée la fête de la petite veille. On y trouve une nouvelle fois la personnification sacerdotale de la pluie, dans une sorte de temple situé au sommet d'une montagne stylisée et recouverte d'une peau de crocodile au motif en losange. La page 25 donne à elle seule les éléments qui caractérisaient le mois de la grande veille. En reprenant la même figure centrale de la pluie, le rituel montre une procession dans laquelle des enfants sont conduits par des femmes au pied de la montagne. Un prêtre porte la bannière blanche du sacrifice. Avec la première moitié de la planche 26, on aborde la cérémonie consacrée à la sécheresse. Le rituel indique ici un encensement de copal avec deux personnages qui propagent des volutes de fumée en direction de quelques participants, mais aussi des prêtres vêtus de parures sacrées ou évoquant des divinités comme celle de la guerre sacrée en bas, ou de la fertilité au milieu. La deuxième partie de cette même page illustre une fête consacrée au repas de maïs et de haricots. Dans une sorte de cortège tournant, un prêtre symbolise à gauche la divinité consacrée à la connaissance. En face, l'incarnation d'un chien et des personnages richement parés dansent au son d'un tambour. Plus bas revient une image de la pluie avec un récipient plein de maïs et de haricots. Puis, sur la gauche du feuillet 27, vient la petite fête des seigneurs. On y voit un jeu de balle aux extrémités duquel figurent quatre pontifs portant des ornements sacrés et qui semblent disputer une partie. Leurs atours font qu'ils personnifient le maïs, la médecine, le vent et la fertilité. Ensuite, c'est la grande fête des seigneurs qui est illustrée sur la partie de droite. Un dignitaire richement paré est assis sur une sorte de chaise longue. Incarnant la figure féminine de la nourriture, il arbore des épis de maïs. En bas,
deux femmes et deux hommes sont en train de manger alors qu'un personnage leur fait face sous les traits du renouveau. En page 28, à gauche, est peinte la cérémonie de l'offrande de fleurs, qui est faite à des divinités également personnifiées lors de la cérémonie de la sécheresse. Il y a donc en haut le guerrier ressuscité, avec son spectre en forme de serpent, l'incarnation féminine de la fertilité, et en bas, un prêtre de haut rang chargé des sacrifices. La fête suivante est celle de la chute des fruits. La moitié droite de la page 28 montre un mât dressé pour l'occasion et orné de drapeaux de papier avec au sommet un panache de plumes. Avant la course qui avait lieu pour escalader ce tronc d'arbre, une chaîne hiérarchique de personnages, le corps noirci, exécutait une danse sacrée au son d'un tambour. Les planches 29 et 30 décrivent la plus grande cérémonie d'une année solaire ordinaire, celle du balayage des chemins. Sur le premier feuillet est peinte une future victime d'écorchement qui se présente sous des vêtements évoquant la divinité de la nourriture. En face de cette femme, on trouve des musiciens qui jouent divers instruments, avec au centre un prêtre tenant un bâton bleu en forme de serpent. Les pas tracés au sol sont ceux de la danse qu'il exécute. Plus loin, masqué derrière une estrade de roseaux garnis d'épis de maïs, on devine une petite pyramide sur laquelle la femme a été écorchée. Le personnage sacerdotal qui s'en éloigne porte alors sur lui la peau de la victime ainsi qu'une partie de ses vêtements. Sur le feuillet suivant, c'est toujours l'incarnation de la nourriture que l'on distingue, mais cette fois ornée d'une coiffe et arborant l'ensemble majestueux de ses attributs divins. Quatre officiants l'entourent et lui présentent le maïs en abondance. Au pied de la pyramide, un personnage fastueux semble ouvrir un cortège suivi par 8 serviteurs se sacrifiant un simulacre de phallus. En haut, mené par un porte-drapeau, une autre procession s'éloigne de la scène avec une suite de 5 personnages féminins dont 4 serviteurs incarnent les divinités consacrées au vent et à la pluie. Finalement, en fin de défilé, 3 personnifications à tête d'animaux jouent du tambourin. La page 31 célébrait l'arrivée des dieux. Elle montre une scène qui diffère légèrement de celle des 2 pages précédentes, dans la mesure où la future victime, au centre, parée par 4 personnages, porte cette fois les attributs de la divinité dédiée à la pluie. À gauche, après l'écorchement, un prêtre a revêtu sa peau et porte tous les fastes de la divinité consacrée. Autour de l'autel sacrificiel, les 4 pontifes richement vêtus incarnent eux aussi la pluie. Un porte-drapeau entraîne à la suite les 2 premières divinités dont on célèbre l'arrivée, l'une consacrée à la guerre sacrée, l'autre en haut aux embuscades. La cérémonie suivante était dédiée à la fête des montagnes, au sommet desquelles se forment les nuages qui donnent naissance aux orages et font tomber la pluie. On y voit donc en haut, dans son temple, au sommet d'une montagne, une personnification de la divinité consacrée. Au centre, comme sur la page précédente, figure une plateforme garnie de bandes de papier tachées de caoutchouc et bordées d'épis de maïs. Au-dessous, un porte-drapeau et un sacerdoce luxueusement costumés. Puis vient la fête de la plume précieuse pendant laquelle on célébrait la chasse, et dont la divinité qui y était consacrée se trouve représentée au sommet de la pyramide de gauche. En bas, 4 chasseurs personnifiant son image défilent avec au-dessus d'eux un attirail composé de leur cabas, d'une flèche, d'un bandeau rouge et d'une huppe de plumes d'aigle. Entre les 6 petits personnages dansant au son d'un tambour, 3 femmes semblent faire offrande. À droite, sur l'autre pyramide, on voit l'incarnation de la divinité dédiée à la guerre sacrée. La page 34 fait référence, dans le haut du tableau, à la levée des drapeaux. On y voit le guerrier ressuscité, une réincarnation de ceux qui mouraient au combat, descendre d'un temple sur lequel se lève justement un drapeau. L'imagerie du reste de la scène ne fait pas référence à cette fête célébrée lors d'une année ordinaire,
mais représente une cérémonie singulière qui avait lieu tous les 52 ans, celle du feu nouveau et de la ligature des années, qui sera décrite plus loin. En 35, on retrouve un monticule recouvert d'une peau de crocodile et décoré d'un drapeau d'Amaté taché de caoutchouc. À son sommet, un temple est occupé par deux figures divines. À droite, la pluie, et à gauche, sa conjointe incarnant l'eau. C'est donc la fête dite de la descente de l'eau. La dernière planche illustre le rituel du resserrement. Juché sur un socle orné de têtes de mort, on reconnaît l'incarnation de la fertilité qui officie. En contrebas, devant un autre temple, la vieille dame destinée à mourir porte les atours symbolisant le déclin de la fertilité. Les personnages formant une ronde sont des prêtres représentant les principales figures du panthéon. Sous le piédestal, il y a celle dédiée à la connaissance. Puis vient la maternité, la médecine, le maïs, la nourriture, l'eau, l'embuscade, l'ivresse, un prêtre sacrificateur, le guerrier ressuscité, le renouveau, et finalement, la guerre sacrée. La section 4 du Codex Borbonicus se superpose en partie à la précédente avec les deux planches sur lesquelles a été peint un signe porteur d'année, la 23 et la 34, auxquelles il faut ajouter les feuillets 37 et 38. Ces quatre pages mises côte à côte commémoreraient le déplacement de la ligature des années de la date 1 lapin à 2 roseaux. Pour certains auteurs, ce changement cherchait à éviter qu'un nouveau cycle de 52 ans ne recommence sous l'influence néfaste du glyphe lapin, porteur de mauvais présages tels que la famine qui sévissait alors depuis plusieurs années. Pour d'autres, il visait à imposer le dieu spécifiquement aztèque de la guerre sacrée, né en deux roseaux, comme figure tutélaire de tous les peuples qui participaient à la célébration du feu nouveau. Ceci en substitution du dieu Quetzalcoatl, originaire de l'ancienne civilisation de Teotihuacan. Ainsi, la partie gauche de la page 23, illustrant la fête dédiée à la croissance et à la résurrection, symboliserait la fin de l'année 1 lapin, dont le cartouche figure ici. Puis, sur le feuillet 34, débuterait l'année 2 roseaux avec la cérémonie du feu nouveau. Un rituel séculaire qui se déroulait au cours des 5 derniers jours de l'ultime année d'un cycle de 52 ans et qui culminait au dernier soir par le sacrifice d'une victime sur laquelle on tentait d'allumer un feu. Cette page y fait référence. À droite, au sommet d'une montagne stylisée, un forêt en bois indique que le feu nouveau a été allumé en l'an 2 roseaux. Plus bas, on voit deux habitats nobles et des familles comme attroupées, se protégeant le visage derrière des masques. L'ensemble évoquant la ville capitale en effervescence, avec au centre une femme enceinte qui semble être gardée prisonnière. Elle est celle par qui le malheur se serait abattu sur l'humanité si le feu nouveau ne s'était pas allumé. Les pas descendant de la montagne montrent le chemin suivi par les prêtres qui apportent dans le grand temple les torches brûlantes. 7 sacerdoces personnifiant les divinités dominantes du panthéon viennent alimenter le feu avec leur faisceau de bois et l'emporter aux 4 coins de la cité. Finalement, répondant en miroir au feuillet 23, la partie gauche de la page 37 viendrait comme marquer la fin de cette année de roseaux, ainsi que le début de la suivante figuré par le signe porteur d'année 3 silex. En déduction de cette hypothèse, les planches 21 et 22 montreraient donc l'ancien compte des années, qui commençait en 1 lapin, alors que le reste de la page 37,
puis la 38 ainsi que les deux dernières qui peuvent être reconstituées par déduction logique, viendraient décrire un cycle de 52 ans solaire en marquant l'année de roseau du forêt symbolisant le feu nouveau. Autrement dit, la nouvelle date à laquelle aurait lieu la ligature des années.